Voici Brian, un enfant d'un an et demi qui vit avec un bras géant. Elle s'appelle Dativa, c'est la mère de Brian. Lui, c'est Théo, le père. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire d'un bébé qui vit avec un bras géant. Ses parents disent que d'après ce qu'ils ont vu, le bras de leur fils ne s'arrête pas de grandir. Ils ont tout essayé, mais en vain. Nous avons trouvé ce bébé inhabituel qu'il ne peut plus porter car il devient très lourd. Au regard de la taille de son bras, ils ont dû couper un jerrycan pour le mettre à l'intérieur. Ils doivent le traîner où ils veulent qu'il aille, car il ne peut même pas marcher. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Elle dit que Brian est leur deuxième et dernier enfant. Tout a commencé à sa naissance. Elle et son mari avaient déjà donné naissance à une fille. Ils s'attendaient à avoir un bébé normal, mais cela ne s'est pas passé comme ça. Je me souviens que lorsque j'étais enceinte, j'allais très bien, mais je n'ai pas pu faire des examens médicaux réguliers parce que nous n'avions pas d'argent. Alors je suis restée à la maison jusqu'à l'accouchement. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher le jour venu. Le bébé est né, mais les médecins étaient choqués quand ils l'ont vu parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant. Ils leur ont conseillé de se précipiter à un meilleur hôpital pour un traitement avant que cela n'empire. La situation dépassait tout le monde, mais ils n'avaient rien qu'ils puissent faire. Et comme grain d'espoir, ils ont porté leur bébé et l'ont amené dans un meilleur hôpital. Mais le montant du traitement de l'enfant était un autre défi à relever. Dativa et son mari n'avaient pas d'argent, alors ils l'ont ramené à la maison. Tous les habitants du quartier étaient terriblement choqués de voir un tel enfant, car c'est la première fois qu'une telle chose arrivait dans l'entourage. Ils étaient désolés pour eux, mais ils n'avaient rien qu'ils puissent faire pour changer cela. Le bras du bébé continuait à grossir au fur et à mesure qu'il grandissait. Il devenait très lourd. Ils ont utilisé certains médicaments, mais rien n'a changé. Ils ont attendu qu'il grandisse pour pouvoir l'amener à l'hôpital, afin de le faire soigner. Après un an, le bras était devenu trop gros. Il essayait de se lever et de marcher, mais le bras était plus lourd que son corps, donc marcher était impossible. Il a dû abandonner l'idée de marcher. Ses parents ne pouvaient plus le porter, et sa sœur aînée ne trouvait pas le moyen de jouer avec lui. Alors ils ont trouvé une idée pour résoudre ce problème. Le père du bébé a pris un petit jerrycan et l'a coupé en deux. Il y a attaché une corde qu'ils utilisent pour le tirer. C'est la seule façon pour sa sœur de jouer avec lui. Ils disent que c'était la seule idée qu'ils ont trouvée puisqu'il était impossible de le prendre. Aussi, ils n'avaient pas d'argent pour acheter un fauteuil roulant. Le temps est venu et ils ont ramené leur enfant à l'hôpital pour un avis médical. À l'hôpital où ils sont allés, ils ont été transférés dans un autre hôpital, et celui-ci se trouvait en ville. Le trajet était très long entre le village et la ville. Ils espéraient qu'une fois là-bas, leur bébé serait soigné. Les médecins l'ont examiné pendant un certain temps, et après ils ont dit à Dativa et son mari que la condition de Brian ne pouvait pas du tout être traitée dans ce pays. Et donc la seule façon pour lui d'obtenir un traitement approprié était de l'amener à l'étranger dans un pays comme l'Inde. Le médecin a dit que bien que son traitement soit possible, il était très cher car ils avaient besoin de pas moins de 8 000 $ américains pour le transport et 7 000 $ pour le traitement hebdomadaire. Bien sûr, cela les a choqués car l'argent qu'on leur a demandé était plus élevé que ce qu'ils avaient pensé. Ils ont dit qu'ils avaient pensé à vendre tout ce qu'ils avaient afin d'obtenir de l'argent pour le traitement. Le père de Brian dit que même s'il vendait tout ce qu'il possédait, il ne trouverait jamais cette somme. Alors il a abandonné cette idée car cela ne servira à rien. Ils ont été obligés de ramener leur bébé à la maison. Ils ont ensuite décidé de prendre soin de lui comme ils le pouvaient jusqu'à son dernier souffle. C'est pathétique, il le regarde sans être capable de ne rien faire. Elle dit que même acheter des vêtements pour son fils est chose très difficile, parce qu'après les avoir achetés, elle doit les refaire pour qu'il lui aille.
Les deux parents ne peuvent pas laisser leur bébé à la maison comme ça. Donc quand l'un travaille, l'autre reste à la maison. Et c'est la routine. Les parents de Brian supplient tous ceux qui regardent cette vidéo de les aider à traiter leur fils. Car si ça continue comme ça, l'irréparable risque d'arriver. Et donc si vous voulez faire un don, le lien de donation se trouve en commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus y rater de la sortie de nos prochaines vidéos.